Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un hub USB en 3.0. Au déballage, on retrouve le hub dans un petit sachet plastique, d'ailleurs en le sortant, il m'a pas mal surpris, je vous explique après pourquoi. Juste en dessous, on a un long câble qui est bien pratique par rapport à la plupart des autres hubs qui eux sont courts. Et comme d'habitude, les petits papiers d'explication sont toujours là. Alors pourquoi il m'a surpris au déballage? Parce que l'aluminium est habituellement super agréable sur un appareil et sur celui-là on le ressent même pas, il prend rapidement les traces de doigts et il est trop léger. Il est malheureusement tellement léger qu'on doit le tenir pour mettre une clé USB. Sinon, quand il est posé sur votre bureau, il n'y a rien de gênant, à part le câble qui aurait pu être mis derrière, petit clin d'œil à OK. Mais de votre chaise, il paraît tout à fait classe et s'adapte à tout style de bureau. Les 4 ports USB fonctionnent bien en 3.0 et le chargement est super rapide et c'est parfait. Votre ordinateur reconnaîtra votre clé USB comme si elle était branchée à celui-ci. Et surtout, plus besoin de se mettre à 4 pattes et faire de la gym pour brancher sa clé USB. Et sur un Mac, l'effet alu passe super bien. C'est malheureusement tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, merci à OK et ciao tout le monde.